Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance proposée par Été Indien. J'espère que vous avez la forme et aujourd'hui on va essayer de se bouger un petit peu. On va essayer de vous donner cinq grands exercices, en tout cas des exercices ou des circuits, vous verrez, ça va changer selon les étapes pour être plein d'énergie pour le reste de la journée. Je m'appelle Marc, je travaille avec Été Indien depuis plus d'un an maintenant et depuis plus de 3 ans j'accompagne des personnes seniors, jeunes ou futurs retraités, à retrouver un petit peu le contrôle de leur vie, à être en bonne santé et surtout bien vieillir. Avant de commencer, on va attendre quelques petites secondes que tout le monde soit là. En attendant, n'hésitez pas à préparer vos bouteilles d'eau, une tenue de sport, avoir des chaussures assez bien nouées de manière à pouvoir se déplacer sans se faire mal et surtout prévoyez un téléphone avec vous en cas de problème. Je ne vous vois pas, je ne suis pas à côté de vous. Si vous êtes seul chez vous, essayez d'avoir toujours votre téléphone à proximité pour appeler en cas de besoin. Allez, on est motivé, restez bien avec moi, surtout jusqu'à la fin de la séance. J'ai une surprise qui va vous faire plaisir. Et si tout le monde est prêt, on va pouvoir commencer. Je vous laisse vous lever, on va commencer avec un petit échauffement. C'est parti, allez. Ok, c'est parti. On va commencer avec les poignets. Je vous invite du coup à croiser les doigts comme ceci. On joint les deux mains et on fait des petits cercles avec les poignets. On essaye d'en compter à chaque fois une petite dizaine. Essayez d'augmenter progressivement bien l'amplitude du mouvement de manière à chauffer progressivement l'articulation qu'on va mobiliser. Très bien. Si c'est douloureux, surtout, allez-y doucement. On y va en fonction de ses capacités. Super, ensuite on continue avec les coudes. Je vous invite à tendre un bras devant vous. On vient mettre la pointe de doigt sur le coude comme ceci. Je passe vers l'intérieur. Très bien, je tends le bras, paume de main vers le bas. Je reviens, paume de main vers le haut. Super. Et on y va comme ceci une dizaine de fois. Et 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10, très bien. On fait la même chose de l'autre côté. N'hésitez pas à bien faire toute l'amplitude du mouvement. Donc, je rappelle, pointe de doigt sur le coude. On écarte un petit peu l'autre bras, le bras de maintien, pour pouvoir passer entre le corps et ce bras de maintien. Très bien. Je tends le bras, je reviens, chemin inverse. Super, c'est ça. Et on en fait 10. Ça fait 2 déjà. Paume de main vers le bas, paume de main vers le haut. Super. 4, 5, 6, 7. 8, 9 et une dernière. Super, ça nous fait 10. On va pouvoir attaquer les épaules maintenant. Je vous invite à écarter un petit peu les pieds, être bien en équilibre. On garde le dos droit. J'écarte les bras de chaque côté, bien tendu. Et on essaye de dessiner des petits cercles avec la pointe de doigt. Attention, ces cercles vont grandir progressivement, mais vous le faites en fonction de vos sensations. S'il y a des douleurs dans les épaules, allez un petit peu moins loin. Mais si ça va, on grandit. Allez, c'est parti. De plus en plus grand. Jusqu'à allonger les oreilles et les hanches. Très bien, encore 2. Allez, les plus grands possibles, comme si on était en train de longer deux murs. Super, ça. Ok, je reviens au centre. Je ferme les poings cette fois-ci, toujours bras tendus. Et on va essayer de pivoter. Paume de main vers le haut, paume de main vers le bas. Comme ceci. Très bien. Essayez de faire en sorte que les épaules tournent avec la rotation, pas uniquement les poignets. Très important. Super, encore 5. 4, 3, 2, 1. Parfait. Puis on va pouvoir attaquer sur les hanches. On écarte à nouveau un tout petit peu plus les pieds. On met les mains de chaque côté du bassin. Les jambes restent tendues. Et on va faire 5 petits cercles dans un sens, 5 petits cercles dans l'autre. Super, comme ceci. 3, 4, 5. Parfait. Dans l'autre sens. 1, 2, 3. 4, 5, super. Ensuite, on enchaîne avec les genoux. On serre un petit peu les pieds. On fléchit légèrement les genoux comme ceci. Hop, je viens poser les mains plus ou moins bas des cuisses. Et je fais 5 petits cercles. Attention, si ceci réveille le dos, vous pouvez faire la même chose en vous tenant un petit peu plus droit. On essaie juste de bien fléchir les genoux. D'accord? Encore une. Très bien. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. 5, parfait. On va finir ensuite avec les chevilles. Pointe de pied au sol, très bien. Petit cercle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous voyez, c'est bien le talon qui bouge, la cheville et la hanche
sont déverrouillés, on fait la même chose de l'autre côté. S'il y a des soucis sur ça, hein, n'hésitez pas à prendre une petite chaise, à vous appuyer dessus ou contre un mur si ça pose problème au niveau de l'équilibre. 7, 8, 9, 10, très bien, super, on a fini avec ce petit échauffement. On va pouvoir attaquer nos 5 exercices. Surtout, petite consigne, n'hésitez pas à boire entre deux si vous avez besoin, même si je ne le dis pas tout le temps, d'accord, et vous sentez que vous avez soif, c'est que c'est le moment de boire, c'est même peut-être déjà trop tard, vous pensez à vous hydrater. Ok. Pour le premier exercice, on va peut-être avoir besoin d'une chaise. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise, on va essayer d'attaquer notre équilibre. Exercice de gainage et d'équilibre, d'accord. Premier exercice, du coup, je vous demande de prendre votre chaise, de la poser devant vous. On va essayer de poser les mains plutôt sur le siège de cette chaise. D'accord. On se pose devant la chaise, comme ceci. On fléchit légèrement les genoux. On va poser les mains toute la largeur du siège sur la chaise. Et on essaie d'être bien au-dessus des mains. Vous voyez, je suis bien aligné ici. Mon épaule reste bien au-dessus de la main. Je ne suis pas trop en arrière, comme ceci. On reste bien fixe. On reste bien au centre. Très bien. Les pieds, pareil. Bien en dessous des hanches. On ne met pas les pieds trop loin ni trop devant le fessier vers l'arrière. On essaie d'être bien aligné. Si jamais ça tire trop dans les jambes, n'hésitez pas à fléchir légèrement les genoux pour diminuer un petit peu la tension au niveau des ischio-jambes. Premier exercice très simple. Ce sera plusieurs variantes. On va essayer de tenir en équilibre sur cette chaise. Ce n'est pas très compliqué, mais ça va activer tout ce qui est au niveau abdominaux, dos. Ça va activer aussi vos bras et vos jambes. Donc, un exercice très complet pour réveiller le corps. On va essayer de toujours regarder le siège. Toujours regarder entre les deux mains. Premier exercice, on va juste lever une jambe. On va essayer d'attendre ici. Très bien, je regarde ma chaise, je maintiens 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. De l'autre côté, la même chose. Hop, on prend bien appui, on reprend un bon écart entre les deux pieds, hein, toujours plus ou moins une largeur de hanche. Hop, je tends. 5, 10, pardon. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, très bien, super. Ok, on peut relâcher un petit peu si on sent que ça a tendu un petit peu dans les jambes. On y retourne ensuite, on va essayer de faire la même chose avec les bras. Je repose les mains sur la chaise, je bascule bien vers l'avant. Il faut sentir que si vous lâchez les bras, hop, on tombe, d'accord? Donc le poids du corps doit être légèrement plus vers les bras. Et on va essayer de tendre. Bras droit. Hop, je maintiens, je serre le ventre, je tends. Je sens qu'on est en appui sur notre bras gauche. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je repose. Très bien. On fait la même chose de l'autre côté. Prêt ? Allez, on bascule un petit peu plus sur le bras droit. Je tends le bras gauche. Je regarde toujours le sol. Je serre le ventre. Attention de ne pas trop basculer le poids du corps sur les jambes. On essaye d'avoir légèrement quand même le poids du corps sur le bras pour que ça travaille. Je serre le ventre, je respire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche très bien. Puis on redresse doucement. Ça va là-dessus? Ok, c'était la deuxième petite variante. On a fait les jambes, on a fait les bras. Maintenant, on va essayer d'alterner les deux. D'accord? Jambes et bras. On travaillera avec toujours un bras opposé à la jambe, c'est-à-dire si je garde le bras gauche au sol, je vais garder la jambe droite au sol et ce sera le bras droit et la jambe gauche qui va se lever, d'accord? On y va, on essaye? Donc, pieds bien à plat, les mains sur la chaise, toujours la même position, bien aligné, les genoux légèrement fléchis. Je vais tendre le bras droit et je vais tendre la jambe gauche. Très bien, je tiens en équilibre. Là, le bras qui est sur la chaise, c'est le bras gauche. La jambe qui est au sol, c'est la jambe droite. Et je maintiens mon équilibre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche très bien. On recommence de l'autre côté. Allez, on peut d'abord faire la jambe. Si vous voulez, cette fois-ci, je tends la jambe droite. Je prends bien appui sur mes mains. Je tends le bras gauche et je maintiens. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je repose, je relâche. Très bien, bravo. Super pour ce premier exercice. Ça va pour tout le monde? Bien sentir, ça travaille le dos, le ventre, les épaules. Les jambes ont travaillé légèrement. C'est super.
Ok, très bien. On peut garder la chaise à côté de nous. On va essayer d'augmenter maintenant légèrement le rythme cardiaque. Ça va déjà avoir réchauffé un petit peu. N'hésitez pas à avoir une petite gorgée entre deux. Et c'est reparti. Du coup, on va avoir besoin d'un petit peu d'espace autour de soi. D'accord ? Déplacez bien la chaise. Essayez d'avoir au moins un mètre autour de vous, de chaque côté. Et on va essayer de faire un petit circuit de déplacement, d'accord ? Pour dire d'aérer bien le corps, d'augmenter le rythme cardiaque, de faire en sorte que tout s'oxygène pour avoir plein d'énergie pour le reste de la journée. On y va, c'est parti. Donc, vous suivez juste que ce que je suis en train de faire, d'accord ? On y va. Allez, c'est parti doucement. Je marche sur place. On peut bouger légèrement les bras. Et on respire surtout, ne bloquez pas votre respiration. On va faire des petits déplacements pour ce deuxième exercice. C'est un petit circuit de déplacement. Allez, on viendra accélérer au fur et à mesure. Attention, on va essayer de faire un pas à droite. Donc juste j'écarte un pas, un pied pardon. Je reviens, la même chose de l'autre côté. Je reviens, je vous montre comme ceci. Hop, un pas, je ramène de l'autre côté. Hop, je ramène. On y va, c'est parti pour 10. 3, 2, 1, top. Un pas sur le côté, très bien, de l'autre. Ok, encore, on essaie de fléchir le genou, pousser pour revenir. Je fléchis, je souffle. Super, de l'autre côté. Ok, 5, encore, 6, parfait, 7, 8, 9, petit pas, 10. Très bien, super, on continue, on marche sur place. On va faire ça pendant un petit 5 minutes. Si jamais ça devient trop dur, allez un petit peu moins vite ou arrêtez-vous. Et on essaie de tenir le temps d'action. On continue à trottiner comme ceci, c'est pas mal. Attention, prochain exercice. On va écarter, mais cette fois-ci, on va essayer de fléchir légèrement les jambes pour baisser avec une main au niveau du sol. Je vous montre et on fait ensemble ensuite. Hop, je descends, je fléchis les genoux. Hop, de l'autre côté, je descends, je fléchis. D'accord ? Essayez d'être bien équilibré à chaque fois, bien en équilibre sur les deux. Je descends comme si je cherchais à attraper quelque chose. Hop, je retrottine de l'autre côté. On y va ensemble, c'est parti pour 10. 3, 2, 1, on y va. Hop, j'écarte. Une, de l'autre côté. Super. Encore, allez. On va sentir les cuisses, sentir le fessier, les jambes qui travaillent. Très bien. 4, on trottine. 5, encore. 6, 7. 8, 9, 10, très bien, et on continue à trottiner, ça va pour l'instant? Ok, attention, on va se déplacer de manière un petit peu plus importante, on va essayer d'aller faire des avant-arrière, d'accord, tout simplement, on peut commencer par pied droit, pied gauche, vous les choisissez en fonction de vos préférences, on va commencer comme ça, d'abord, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, d'accord, et on va essayer d'accélérer en changeant un petit peu nos appuis. On y va, toujours le même circuit, toujours l'exercice 2. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Droite, gauche, très bien. Avant, arrière, Ça fait 4, encore. 5, 6, 7, 8, 9. Attention, on va faire la même chose avec des écarts maintenant, c'est parti. J'écarte, je serre, Je serre. Très bien. Ok, c'est ça. Toujours vers l'avant. Mais on écarte, on revient serré vers l'arrière. Et 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. On reprend. Petite marche. Attention, on va essayer d'aller faire ce qu'on appelle des levées genou-coude. Je vous montre ça. Bon, pour ceux qui le peuvent, on fera le genou en direction du coude opposé, comme ceci. Hop, hop. Essayez de garder le dos bien droit, de lever le genou un petit peu plus haut, de serrer le ventre quand vous faites ça. Si ce n'est pas possible pour vous d'aller chercher avec le coude, on peut y aller avec l'avant-bras ou avec la main si vraiment l'avant-bras, c'est encore trop compliqué. D'accord ? On y va, c'est parti. 3, 2, 1. On en compte 20 cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. On trottine, on calme un petit peu. Attention, on va répéter tous ces exercices maintenant en une seule fois pour clôturer le numéro 2, l'exercice numéro 2, le circuit numéro 2. D'accord ? Je vous répète les petits mouvements. On avait commencé avec un pas d'un côté,
un pas de l'autre. D'accord. Ensuite, on a fait la même chose en baissant. On vient chercher le sol cette fois-ci. Super. Ensuite, on a avancé, reculé, serré. Avancé, reculé en écartant. Très bien. Et on a fini avec les coudes comme ceci. Ça va pour tout le monde? On y va. Attention, c'est la dernière pour l'exercice numéro 2. Et ensuite, je vous laisse une petite pause. Allez-y à votre rythme. C'est 10 à ma vitesse. C'est trop difficile. Ralentissez, faites-en un petit peu moins. C'est pas grave. On essaie de rester sur un essoufflement qui nous convient, qui ne nous fatigue pas trop. Prêt? 3, 2, 1. C'est parti. D'un côté et de l'autre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En allant chercher le sol. Hop, je descends, je ramène. Encore. Super. 3, 4, 5, 6. Descendez pas trop bas. Si ça réveille des douleurs dans les jambes, dans les genoux, allez un petit peu moins bas. Descendez juste. Fléchissez bien quand même les genoux. Hein. C'est pas le dos qui doit se baisser. Ok, deux dernières. Et on commence avec nos pas vers l'avant. C'est parti. Avant, serré, arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pareil avec les écarts. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, genoux coudes. C'est parti. 10 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien, je calme. Bravo tout le monde. Ok, pensez à boire un petit coup. On est au deuxième exercice. Nous en reste 3. On va calmer doucement. Vous avez fait le plus dur là. Il nous reste quelques petits exercices de force à faire. Un petit peu d'équilibre et un petit peu de souplesse, vous verrez. On va finir sur quelque chose qui va nous calmer. Et ensuite, restez bien jusqu'au bout. J'ai encore quelques petites choses à vous dire. Quelques petites choses à vous offrir surtout. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez le temps de vous hydrater. On y retourne, on va partir sur un petit exercice de force, d'accord? Pour ceci, on va avoir besoin d'une chaise. Hop, je vous laisse vous mettre assis sur une chaise, tout simplement, bord de la chaise. On va essayer d'aller continuer à travailler un petit peu les jambes, mais on va associer en même temps le haut du corps, d'accord? On commence avec la chaise, on va chauffer d'abord les jambes et on va associer avec un petit exercice de bras, d'accord? Les jambes, ça sera toujours le même exercice, les bras vont changer pour essayer d'apporter un petit peu de variante, de travailler vraiment tout le haut du corps. C'est parti, premier exercice, pieds bien à plat, une largeur de hanche, les mains sur les épaules, on va travailler que les jambes sur la première, on va essayer de se lever 8 fois, comme ceci. On s'incline vers l'avant, on pousse, on souffle. Très bien, et je redescends 12. C'est notre premier exercice. Si c'est difficile pour vous de vous lever sans les bras, c'est peut-être que vous êtes trop bas. Pensez à surélever un petit peu avec un petit coussin ou deux, ça vous permet de ne pas vous servir de vos bras pour vous lever. Allez, c'est parti, on y va pour 8, on souffle bien, je souffle, je lève doucement, je m'assois. 1, allez, 2, on cherche à chauffer les jambes, 3, on travaille la force, 4, très bien, encore, 5, 6, 7, parfait, on peut s'asseoir. Ça va là-dessus? Ok, exercice numéro 2, même chose, toujours avec les jambes. Cette fois-ci, on va venir presser les mains, comme ceci. Je mets les mains face à face, bien collées, les coudes opposés. On va presser les mains. On va sentir en pressant, ça vient prendre légèrement au niveau de la poitrine, des pectoraux aussi. Plus on va serrer fort, plus ça va se contracter. D'accord? Quand on va se lever, hop, je me lève. Je garde ma pression entre les mains, je presse vers le haut. J'essaye de lever les bras là où je peux. Si vers le haut, au-dessus de la tête, c'est difficile, on peut aller vers l'avant légèrement. Et je reviens et je me rassois. D'accord? On travaille. Pression sur les bras, pression au niveau de la poitrine pectoraux. Ça va être beaucoup plus complet. On y va pour 8. Allez, top. Je pousse. Je presse les mains, je lève. Je ramène à hauteur de poitrine. Je redescends. On est parti pour 8. Ça fait 2. Je souffle. Je ramène. Très bien. 3. Super. Encore. 4. On souffle bien. On pense à serrer les fesses une fois qu'on est debout.
ça, je serre les fesses, je serre le ventre, je presse les bras et je les tends. Super. 6. Encore. 7. Très bien. Une dernière. 8. Super. Ça doit commencer à chauffer un petit peu dans les cuisses aussi. Hein. On doit bien sentir le travail au niveau poitrine pectoraux. Dernier petit exercice. On va aller travailler un petit peu plus les épaules et les bras, le dos. On va essayer de faire ceci. On va garder les coudes le long du corps, comme ceci, d'accord? Bien collé. Un angle droit entre biceps et avant-bras. Même exercice avec les jambes. On va se lever. Hop, je me lève. Je lève les coudes. J'écarte. Je serre. Je redescends. Hop, ici, très bien. Je pousse, je lève, j'écarte, je serre bien les omoplates, je ramène les coudes vers l'avant, je les redescends et je me pose. C'est parti pour 8, on y va. Allez, top. Un petit peu comme si on était des robots. Super. Une. Allez, je lève, je souffle. Je suis sûr que vous faites de magnifiques robots là actuellement. Allez, on en profite. On essaie de bien sentir les omoplates qui se serrent. Parfait. 3. Encore. 4. Bien bouger le dos, bien bouger les épaules. 5. Toujours les coudes à hauteur d'épaule. Un pas plus haut, c'est pas la peine. 6. Très bien. Encore 2 pour finir sur cet exercice-là. 7. Très, très bien. 8. Super, je me rassois. Ok, très bien. Allez. Je vous laisse boire un petit coup et on va pouvoir attaquer le quatrième exercice. Toujours la chaise pas loin de soi pour le quatrième exercice. On va essayer de travailler un petit peu sur de l'équilibre, sur le fait d'aller activer les zones qui nous permettent de tenir bien stable debout. Ok. Je vous laisse boire un petit coup et je vous laisse vous mettre en place. Pareil, un exercice assez simple à mettre en place avec des niveaux d'adaptabilité en fonction de votre aisance, d'accord? Ça va être un petit jeu de bascule en face de notre chaise, d'accord? Je vous mets sur le niveau 1, vous verrez, le fait d'avoir la chaise devant vous, ça va vous aider. Si vous sentez que vous n'en avez pas besoin, vous pouvez la mettre de côté et le faire simple, d'accord? On va mettre une jambe devant soi, comme ceci, d'accord? On fléchit légèrement le genou devant, on reste bien en appui sur cette jambe. Pose juste la pointe des pieds derrière, on n'est quasiment pas en appui dessus. On sent vraiment tout le poids du corps est sur la jambe devant ici. On va essayer doucement de lever la jambe gauche et de basculer le haut du corps vers l'avant, de manière à être en équilibre, légèrement le pied vers l'avant. D'accord ? Si vous sentez que vous êtes en déséquilibre, la chaise devant vous vous sert à poser la pointe de doigt, comme ceci. Je bascule, hop, je pose ma pointe de doigt, on garde bien le genou légèrement fléchi. Ici, je regarde le sol, puis je remonte, j'essaye de quitter les mains de la chaise, je repose ma pointe de pied. D'accord ? Toujours bien en équipe sur la jambe avant, on en fait 8. On va faire une fois à droite, une fois à gauche pour cet exercice. Pour ceux qui se sentent à l'aise, vous pouvez descendre de plus en plus bas. Au lieu d'aller avec les mains sur la chaise, on peut essayer d'aller vers les mains vers le sol. Voilà, très bien. Et de remonter en fonction de votre aisance. Ça va ? On y va pour 8 à droite. Allez, c'est parti. Bien le pied à droite, à plat pardon. Genou fléchi, poids du corps vers l'avant. Je positionne les mains, hop, je lève le pied, je bascule, je touche la chaise et je remonte. Une, essayez de bien serrer au niveau du fessier. Hein. Encore. Deux, pardon, encore. Trois, très bien. Allez, la jambe et le haut du corps font un seul morceau, bouge en même temps. Très bien. Encore. Ça doit chauffer derrière la cuisse, ça doit chauffer dans le mollet, ça peut chauffer dans la fesse également, c'est normal. Allez, encore 2, 7, très bien, une dernière, hop, et je repose, super. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, jambe gauche cette fois-ci devant si vous avez fait la droite ou inversement, toujours le genou bien fléchi devant, pointe de pied derrière, je serre le ventre, je regarde devant moi. Ah, et c'est parti. Une. Deux. Pensez à toujours bien respirer. Sans bloquer. On peut inspirer quand on descend. Souffler quand on remonte. Encore. On est à la moitié. Quatre.
5, 6, 7, et une dernière, et 8, super, on a bien activé toute la partie postérieure ici sur ces exercices. On va attaquer l'exercice numéro 5, je vous laisserai voir un coup après, pendant que je vous explique un petit peu ce que j'ai à vous dire. L'exercice numéro 5, ça va être un petit circuit au niveau de léger étirement, d'assouplissement et surtout de détente. Clôturer cette séance. On y va ensemble. Je vais vous demander d'écarter un petit peu les pieds. Ouais, on va commencer avec la respiration. Je vais vous demander de fléchir les genoux. Hop. Et on se grandit. On peut inspirer si on veut. Puis on souffle. On recommence. Et on souffle. Dernière comme ceci, on va attaquer avec un seul bras. Super, bras droit uniquement maintenant. J'inspire. Je reste vers le haut et je m'incline sur le côté jusqu'à sentir tout le côté du corps qui s'étire ici. Et on souffle. Je relâche et je repars. J'inspire. Je m'incline et je souffle. Très bien. Bien sentir l'étirement ici. Si vous voulez, vous pouvez même descendre un petit peu plus bas. La main opposée le long de la jambe. Super. Et je redescends. Une dernière à droite. Et je souffle. Super. N'allez pas trop loin si c'est sensible. On fait la même chose de l'autre côté. L'autre bras cette fois-ci. On inspire. On souffle. On incline. Très bien. Je relâche. On essaie d'aller chercher un léger étirement du haut du corps. On inspire et on souffle. Quand on incline, toujours cet étirement le long du corps. Très bien. Une dernière. Et je souffle. Très bien. On y va avec le petit dernier exercice des étirements. Un petit classique. Je vais vous demander de vous grandir comme ceci. Les deux bras, comme on a fait tout à l'heure. On vient tirer les bras loin vers le haut. On garde les jambes tendues. On va pousser doucement le fessier vers l'arrière. Puis on laisse tomber les bras, la tête. Très bien. J'essaie d'aller le plus bas possible en fonction des sensations. Pas de douleur dans le dos ni dans les jambes. On respire. On essaie d'aller progressivement de plus en plus bas si le corps nous permet. Puis doucement, en gardant bien les bras et la tête en direction du sol, toujours bien relâché, on va serrer les fesses, serrer les cuisses pour remonter doucement le dos, très lentement, en contrôle, vertèbre par vertèbre, pour finir par les épaules et par la tête. Super, bravo tout le monde, je vous laisse boire un petit coup. Ok, on arrive à la fin de cette séance du coup, j'espère que ça vous a plu surtout.